Konnichiwa les Kibishi, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour et aujourd'hui ça va être une vidéo sur du gameplay, ça doit être la troisième ou la quatrième partie du rush, de mon rush sur la coupe là qui tue de la saison du nouvel an et voilà, j'ai vraiment envie de garder ma place dans le top 3 et surtout ne pas redescendre de ligue. Allez c'est parti, je vais avoir mon bonus de connexion. Vous aussi d'ailleurs, hein, les 5 rubis donc, que je récupère et au bout des 10 jours, je ferai un pack opening ou je sais pas, je verrai, je vais voir. Alors dans les actus, ah oui, alors la prochaine coupe classée, c'est la coupe Diddy Kong et on va aller regarder un petit peu après sur cette coupe-là, comment je me place avec mes pilotes kart et elle, je suis pas sûre que ce soit terrible. Mon petit shopping journalier, allez je vais acheter le masque-casse. Allez le masque-casse, allez allez, bah dis donc il veut pas que je l'achète, ah enfin, allez voilà j'achète le masque-casse, on va acheter les tickets, donc tickets de points de carte, oh c'est tellement dommage qu'ils font pas les tickets de des packs de 10 genre, ce serait génial, tickets de points d'aile, mais pour les tickets objets, pas pour les tickets de points d'amélioration et tout ça, et de capacité non plus, ça serait complètement ouf, mais juste pour les tickets objets, franchement, ce serait vraiment génial. Allez, le Roy aussi, on l'achète, Chip Mobile, pareil, je l'achète aussi, même si je l'aime pas, mais voilà, il est proche de passer un level, donc c'est cool, et Parachute Carapace, pareil, je vais l'acheter. Voilà, il me semble que la pitch et tout ça, c'est pas... Ouais, non, c'est pas encore trop proche. Ouais. Non, je les achète pas. Je les achète pas, voilà, j'ai fait mon petit shopping, c'était déjà très bien pour aujourd'hui. Et on va aller tout de suite aller regarder, donc, sur la coupe Diddy Kong, comment je me place au niveau des pilotes kart et elle. Donc, en fait, on a le premier circuit qui est traversé de Tokyo, j'avais fait 6175. C'est pas ouf, mais à mon avis, c'est que ça devait pas... Voilà. Bon, j'ai déjà le bon perso pour faire les frémésies. J'ai pas de carte. Et j'ai pas d'aile. Ça va être une galère de ouf. Alors, sur Jungle Dino Dino... Bon, on est bien. Je suis bien sur Jungle Dino Dino, donc ça, c'est cool. Et sur Flipper Waluigi... Ok. Et pas nickel. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, voilà. C'est nickel. Et voilà, donc je vous montre le classement. Donc je me suis fait encore dépasser, je suis quatrième. Et le premier, il a 44 528. Et je vais vous mettre juste après donc les games que j'ai rush, comme une ouf encore, pour essayer de récupérer, de retourner dans le top 3. Allez, on est parti sur Traversée de Tokyo. Et bah oui, avec mon petit là qui tue, et j'ai changé, j'ai bien fait attention de prendre l'aile fleurie rose, qui est un level plus élevé que l'aile ultra rare que j'avais également. Et voilà, comme ça j'écoute bien vos conseils, j'essaie de faire attention, mais c'est vrai que quand je rush pendant très longtemps, ça m'arrive de changer un peu de compo. De cartes L et pilote parce que voilà des fois ça me saoule de jouer tout le temps les mêmes trucs donc je change et c'est vrai que ça m'arrive de faire du coup des records avec bah, pas les bonnes choses et voilà. Allez la petite frénésie de pièces sur la fin du premier tour et c'est ce qui va me mettre bien mais vous allez voir j'étais un peu triste sur cette game là parce que j'ai fait une game de malade du début et arrivé à la fin je me suis fait un peu exploser, genre pas sur la ligne d'arrivée, mais vous allez voir, j'étais dégoûtée. J'ai une deuxième frénésie sur cette game, elle était juste ouf. J'étais super concentrée, je me suis dit, allez, mais celle-là, franchement, il faut vraiment que j'y arrive. Ça faisait franchement vraiment longtemps que j'étais en train de rush et j'étais juste dégoûtée parce que vous allez voir. Hop là, je me fais éclater juste avant et je me fais doubler et j'arrive troisième. Et en étant troisième, j'arrive à faire un mini record et je suis dégoûtée parce que si j'étais arrivée première, non mais pff,
j'aurais fait un super score. Surtout que sur, voilà, je fais vraiment, c'est pas énorme, mais voilà, ça reste un record quand même. Et bon, c'est pas cette gamme-là qui m'a, il me semble, non, c'est pas celle-là qui m'a permis de remonter, c'est celle d'après. Mais enfin voilà, je l'ai quand même mise parce que j'ai rush pendant super longtemps et j'ai pas réussi à faire d'autres records. Et vous verrez, voilà, maintenant on va passer sur le manoir de Luigi, où j'ai vraiment été patiente. Et j'ai vraiment réussi à faire un super score. Et vous allez voir, je vais bien remonter dans le classement grâce à cette game-là. Et bah, il n'y aura pas de game sur Souk Maskass parce que impossible, quoi. Impossible de faire mieux. Mais alors vraiment, une galère de malade. Et j'étais trop fatiguée et j'avais plus de batterie sur mon iPad. Et j'avais pas du tout envie de jouer avec mon téléphone parce que c'est super dur de jouer avec sur téléphone, je trouve. Hein, j'ai pas l'habitude. Donc la petite frénésie de Bobon, ben, j'ai pas trop touché avec la frénésie. Mais enfin voilà, ça me fait quand même... j'ai touché qu'une seule personne. Hein. Vous vous rendez compte, j'ai touché qu'une seule personne. Donc voilà, bon, bref, c'est pas grave, ça me fait quand même prendre des points. Mais c'est franchement, j'ai vraiment, vraiment galéré. Et je vous disais, ouais, sur téléphone, au début, je jouais un petit peu sur téléphone et sur iPad, sur les deux. Et en fait, bah, je sais plus du tout jouer sur téléphone. En fait, sur un iPad, sur une tablette, en gros, c'est tellement grand que, en fait, je pense qu'on fait pas du tout, on joue pas du tout de la même façon. Allez, la frénésie de pièces pour finir le premier tour. Et bon, là, je me fais éclater, mais ça va. J'avais déjà passé le tour, du coup, j'ai les points. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est ce qui compte le plus. Hein. Franchement, je m'en fous là d'être même d'être dernière à ce niveau-là. Franchement, je m'en fous complètement. Et là, tout 7. Et là, tout 7. Franchement, j'ai quand même pas mal galéré avec toutes les games que j'ai faites. Et ben, j'en ai pas eu tant que ça. Alors que sur la saison d'Halloween, j'en avais eu énormément avec Roibou. C'était juste fou. Et là, qu'est-ce qui tombe? La frénésie de la toussette. J'étais trop contente. Non, je fais n'importe quoi là. Hein, franchement, et heureusement que j'ai la toussette parce qu'autrement, là, c'était. J'ai fait n'importe quoi. Je suis rentrée dans les murs et tout. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu de la chance. Et c'est ce qui m'a fait gonfler le score de malade. Parce qu'autrement, j'aurais jamais fait un score comme ça. Hein. Bon, après, on sait tous que c'est les frénésies hein, qui font aussi faire des gros scores. Bon, il y a les combos et tout ça, mais c'est évident qu'il faut faire des frénésies. Si on n'active pas de frénésie, de mode frénésie, vous savez très bien, c'est mort. Et la chance que j'ai eue, c'est que bah, la frénésie d'Atousset, elle est juste super violente. Voilà, je finis à 15 095. Franchement, c'est canon. Et là, je remonte première. Oh, j'étais trop contente. J'étais mais vraiment, vraiment trop, trop contente. Et je suis dégoûtée parce que impossible de rush ce circuit-là, Souk Maskass. Impossible de faire plus. Et je suis juste dégoûtée parce que j'ai de l'avance. Et il faut absolument que j'en prenne encore de l'avance. Donc voilà, ça c'est les scores. Je vous ai montré les scores du deuxième. Et il faut absolument que je prenne encore de l'avance. Donc je vais tout faire pour voilà. Bon, ça sera la surprise demain quand je vais ouvrir le jeu. Hein, pour voir si je me suis fait encore dépasser, comme tous les jours. Après voilà, je pense que c'est normal que ce soit de plus en plus difficile et que plus on monte en ligue et plus ben forcément on rencontre des personnes qui sont plus haut en level et de leur level de skill et aussi de leur level de pilote, carte et elle quoi, ça c'était certain. Hein. Et je pense que c'est bien d'ailleurs parce que en fin de compte, je dis que je veux pas redescendre de ligue, mais si je descends c'est pas plus mal, ça veut dire que je vais me retrouver avec des personnes qui ont peut-être plus mon niveau. Enfin voilà. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller récupérer tous mes petits cadeaux du pass saisonnier, du pass or. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a juste quelques-uns que je vais aller récupérer tout de suite. Allez, c'est parti. Je crois que c'est pas les plus intéressants, mais bon, voilà, comme ça, au moins, ils sont récupérés. Alors, 3 tickets d'objets. Oui, des tickets objets. 100 pièces d'or. Un ticket de point d'aile. 3 tickets d'étoiles. 5 tickets d'objets. Cool. 300 pièces d'or. Un ticket de capacité pour une aile commun. Et ben voilà, j'ai tout récupéré, il n'y en avait pas beaucoup, mais voilà, au moins ça c'est fait. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à rush jusqu'à mercredi, on a encore pour essayer d'avoir bah, la meilleure place dans le classement de la coupe classée. Et puis après on partira sur bah, la coupe Diddy Kong. Je vais essayer vraiment de faire quelque chose de bien parce que ça va être compliqué à mon avis pour moi sur la coupe Diddy Kong. Bon enfin bref, c'est pas très grave. Voilà, ma vidéo est finie pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous, mettez-moi un maximum de pouces bleus et n'oubliez pas la petite
petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Des bisous les kibichis.